Tout le basket avec Jeep. Jeep Renegade, voiture officielle de la Jeep Elite. Était conscient de ça, ont bien voulu refermer la raquette sur cet écran pick and roll dans l'axe. Et Adrian Payne qui marque. Au lancer, Paul Lacourbe en difficulté qui arrive à trouver Yakuba Ouattara. Gerald Robinson, belle passe. Wow. Derek Buckner. Le double punch de Derek Buckner. 3 points, c'est beaucoup. Ouais. Sur un carton. Exactement le même écart. Lors de l'épisode 3, à la fin du premier carton, il y avait 22-17 pour Monaco. Là, il y a 23-18. Regardez, il passe sous le con de Ouattara, qui bosse. Et Buckner. Eh oui, en Tascagnetis, ciblé. Oui. Il avait dit, c'est un défi personnel. Oui. Robinson, il est passé, il marque. Le panier est accordé. Le slalom géant de Gerald Robinson. Il est au tir, hein, Gerald Robinson, avant ce panier d'acrobate, d'équilibriste. Alors, il est bien servi, je crois qu'il aime bien créer un premier contact avec son épaule, Kikanovic. Et le panier accordé à David Lighty. Et le petit lancer qui va suivre. Et il va vouloir se jouer, Adrian Payne. Il est loin. Il prend un shoot à 10 mètres. Attends. Le shoot à très longue distance. Allez. Et oui, Adrian Payne se dit, il va pas quand même. Pensons à Yakuba Ouattara, qui ne s'attendait pas à avoir le main à main. Dibost. Dibost, le shoot à 3 points de Dibost. Il est exceptionnel. Et derrière, l'Asvel ne lâche jamais. Dibost à 3 points. Ah, et tu le fais rêver. Ah, il nous fait rêver, Dibost. Il est extraordinaire. Nouvelle possession pour les Monégasques, avec Lazaric Jones. Eric Jones, Paul Lacombe. Wow. Oh là là ! Oh, extraordinaire ce que vient de faire Paul Lacombe ! Il a enrhumé son vis-à-vis ! Regardez ça ! Extraordinaire ! Et il passe qui ? Il passe Charles Cahudi, l'un des plus féroces défenseurs de notre championnat. Mantas Cagnetti, son contre de Eric Buckner, c'est terminé ! Avec ce contre de Eric Buckner, c'est terminé ! Oh, la hauteur, la hauteur. Mantas Cagnetis à 3 points. Il marque à 3 points, Cagnetis. Cagnetis à sa Dibos. Dans les mains de Cagnetis. C'est lui qui chippe la balle, Dibos. Et ben voilà, le meilleur joueur de cette rencontre termine le match par une interception. Les Monégasques, David, qui ont fait le boulot.